les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Overwatch, chers amis. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis rentré de vacances, j'ai un petit peu joué, j'ai un peu beaucoup joué, effectivement. Oui, je jouais principalement le soir, hein, quand j'étais tranquille, un petit peu, ça faisait du bien, ça me permettait de décompresser, ou pas, hein. Je vous rappelle qu'Overwatch, c'est un défouloir, hein, mais aussi un gros truc de rage. Donc, Ana est sortie, nouveau personnage, hein, donc je vais pas vous faire la review, vous l'avez sûrement vu depuis des jours et des jours, hein, maintenant. Cependant, je vais vous faire une review de tout ce que j'ai pu choper. Je voulais vous faire des openings de box, mais au final, il se trouve que les box en question n'étaient pas toutes géniales et c'était vraiment pas intéressant à regarder. Du coup, je vais juste vous montrer les modèles que j'ai pris, vite fait. Donc là que j'ai trouvé plutôt la nuasse que j'ai tombée dans une boîte. Vous voyez que j'ai rien d'autre avec elle, vraiment rien à part quelques tags. Bon, c'est pas l'intérêt des tags, je vais pas les faire. Peut-être plutôt les voix que j'aime bien. J'ai tombé la Valkyrie 5 fois, pour vous dire. Donc ce qui fait que j'ai pu m'acheter quelques petits trucs en dehors. La provocation, j'ai toujours la même. Et en célébration, j'en ai pas. En réplique, j'ai mis celle-là. Les consultations sont ouvertes. Parce que je l'ai débloqué, je la trouve sympa. Et oui, en entrée en scène, j'ai celle-ci. Si jamais j'ai le highlight. Voilà. Pour Bastion, j'ai toujours ça. Si, j'ai eu cette emote-là qui est cool. Il me fait penser un petit peu à Robocop, en fait. Chacal, j'ai le roussi, que je trouve très très bien, pour moi c'est le meilleur qu'il y a, hein. J'ai l'émote ventriloque, qui est vraiment cool aussi. J'ai celle-ci. Barbecue, quelqu'un. Qui me semble être la meilleure réplique, hein, pour moi. Surtout que c'était barbecue, quoi. Lapin requin, je sais pas si je vous l'avais montré, il me semble que non. J'ai ça, hop. Spécialiste de la pêche au gros. Tu veux ma photo, banane? Je vais mettre celle-là juste en rapport avec Beef Tannen dans Retour vers le futur. Diva, j'ai Fibre de Carbone, qui est tombée il n'y a pas si longtemps que ça en plus, donc elle est sympa. J'ai cette célébration-là. Diva 1, ses ennemis 0. Celle que je préfère pour l'instant. Ok, Fatal, je suis pas fan, mais j'ai tombé le modèle nuit, qui est vraiment bien, je trouve, parce que c'est le principe. Sur le principe, en fait, c'est... Voilà la différence. La classique, elle est comme ça. Violette, et je trouve que le modèle nuit fait beaucoup plus assassin, tout simplement. Il y a noir aussi, mais bon, noir, elle était offerte avec en pré-achetant Overwatch, donc bon. Un instant. Ok, re, chers amis, donc, Fatal s'est fait faucheur. Alors, faucheur, c'est particulier. En dehors de celui-ci, et du classique, forcément, parce que j'aime bien les costumes classiques aussi, moi, j'aime beaucoup celui-ci, mais alors, je l'aime vraiment énormément. Parce qu'il me rappelle Medivh, parce que plein de choses. Bon, c'est mon avis à moi. J'aime bien aussi les mariachi et le El Blanco, parce que le mariachi est noir, ça lui va bien, machin, du truc. Mais bon, sur le principe, je suis pas extrêmement fan non plus. Voilà mon avis. Donc du coup, je joue principalement avec le Reyes avant donc qu'il soit normalement... contaminé, on va dire. Enfin, je vais dire plutôt modifié par je sais plus quelle entreprise, Luminico. Attendez, je vais regarder. Je crois qu'elle est en. Ah, je croyais qu'elle était. Voilà, Lumerico. Avant qu'il soit contaminé par Lumerico. Bon, ça c'est mon avis. Genji. Alors Genji, c'est particulier. Même si j'avais tous les modèles du monde, c'est-à-dire Genji jeune, Kotori, Bédouin, Nomade. Même Nomade, j'ai des doutes. Je ne pense pas que j'utiliserai. Par contre, j'aimerais avoir celui-ci. Le chrome, que je trouve juste superbe, il est juste sublime. Voilà, c'est tout. Donc voilà, puis si en emote j'ai celle-là, que je trouve très très bien. Il y avait celui-là aussi qui est très cool. Hop. En célébration, j'ai le shuriken et le genou au sol. Crac. La réplique, merde. Et madame. Mais je trouve que le madame est mal doublé pour le coup. Anzo, j'ai mis le modèle classique parce que sinon j'ai le modèle moutarde, donc c'est dégueulasse. Célébration, genou au sol, voilà. Les répliques, elles sont pas top. Je joue pas beaucoup Anzo. Lucio, je suis pas fan non plus, j'ai qu'un seul. Je croyais que j'avais un autre modèle. J'en ai pas d'autre. Bouge ton corps, c'est une emote. Célébration assurée. Oh ouais. Et j'ai ça. Même si j'aime beaucoup le doubleur, qui est le doubleur officiel d'Andrew Garfield. Macri, j'ai celle-ci. C'est à moi que tu parles, j'ai une balle avec ton nom dessus. Avec ton nom dessus. Ça c'est cool.
May, j'ai la secouriste. J'aurais préféré avoir la pompier, à vrai dire. Qui je trouve est bien plus RP que la secouriste. Ou encore la chasse soviétique est beaucoup plus en rapport avec le personnage, je dirais. Emote, j'ai ça. Même si j'aurais préféré... Bah non, j'en ai pas. Non, elles sont bien, celles-là, en fait. La célébration, j'aimerais bien avoir. Il me semble que c'est celle-là. Non. Celle-là. Non. Ah non, bah c'est bien, en fait. Et oui, je me sens comme libérée, délivrée. Voilà, pour la blague. Oui, non, c'est celle-ci que j'aimerais avoir, moi. Alors, pas celle-là. Justement, c'est celle-ci. Ou celle-là. Qui est mignonne. Elle est mignonne, celle-là. Hop. Voilà. Phara, donc voilà une des choses que je me suis acheté. C'est cette tenue-là, la reine mecha. Parce qu'elle est cheatée, je vous montrerai pourquoi. Enfin, cheatée. Oui, cheatée, pour moi, elle est un petit peu trichée. Elle triche un petit peu avec cette tenue. Je vous expliquerai pourquoi. Célébration, j'ai les réacteurs parce que voilà, ça fait bien Gundam. S'envoyer en l'air avec son lance-roquette, trop dangereux. Je ne commenterai pas cette phrase. Et aussi, entrer en scène. Et si je la mets, c'est principalement parce que j'ai que celle-là. Il y avait celle-là aussi qui est stylée. Il y a celle-là aussi. Mais celle-là, regardez, elle a la hauteur de la bouche qui est carrément jaune. Mais bon, c'est rien, hein, tout va bien, elle est pas morte, hein, pas encore. Lionheart, j'ai aussi la Stein, qui est la même en version grise. J'ai la pose légendaire. En réplique. Croisé, connecté. Il ne veut plus la refaire. Croisé, connecté. Voilà. En emote, j'aimerais bien choper celle-ci. Soldat 76, j'utilise avec G parce qu'il est noir et je trouve stylé en noir. J'ai ça, sinon. Rien d'intéressant, merci monsieur. Merci monsieur. Voilà. Symmetra, là c'est une horreur. Je ne veux pas de celui-là, mais c'est le seul que j'ai qui me plaît plus que celui-ci. Ce que j'aimerais avoir, c'est celui-ci, moi, avec le gant doré. Et en blanc, parce que je trouve qu'en royal, elle est pas très belle au niveau du choix des couleurs. Mais bon, c'est mon avis. Torbjorn, je l'ai en bleu. Qui est terriblement laid. J'aimerais avoir celui-ci, mais bon, c'est pas pour tout de suite. Pour le reste des choses, j'ai pas trouvé grand-chose d'autre. Pilote du sillage, c'est la tenue Origin Edition. Donc je préfère celle-là à celle classique, à vrai dire. Même si j'aimerais bien avoir... Il semble que c'est celle-là ou c'est l'autre. C'est celle-là. J'aimerais bien avoir celle-ci. Mais bon, c'est comme ça. Winston, j'ai le Winston Grenouille, qui est pour moi la mieux, hein, en dehors de l'original. Même si l'original est très bien. Hein. J'ai celle-ci. J'ai pas pris celle-là parce que je l'aime pas trop. Non. Je ne veux pas de banane. J'ai mis ça. Entrée en scène, j'en ai pas. Zarya, j'ai mis le roc industriel. Viens chercher ton câlin, mon gros nounours de steppe. Voilà, ça met dans l'ambiance. Et Zenyatta, j'ai un modèle moisi, mais j'aime pas Zenyatta. Voilà, je peux m'arrêter là pour Zenyatta. Ok, on va reprendre maintenant une partie. On va faire une partie. Alors vous voyez que mes points compétitifs ont descendu. Hein. Le solo queue, c'est-à-dire jouer tout seul en partie compétitif, c'est pas la peine. C'est vraiment pas la peine. Et honnêtement, je suis extrêmement déçu de l'avoir fait. Hein. Je suis extrêmement déçu de l'avoir fait. C'était défaite sur défaite sur défaite. Et sur le principe, les développeurs nous mentent en disant que ça dépend de ce que vous faites dans la partie. Parce qu'à partir du moment où vous perdez, j'ai eu 4 médailles d'or. Avec Chopper, j'avais du heal et tout ça, je me faisais mon propre heal. J'ai eu des médailles d'or à foison. Je crois même que j'ai eu 4 médailles d'or et une médaille d'argent en dégâts parce qu'il y avait une Phara qui a fait plus de dégâts avec ses ultimes que moi avec les miennes. Et je perdais quand même un point direct dans la défaite, quoi. Donc c'est des conneries que tu me dises que ça se base sur le niveau, parce qu'en final ça se base uniquement sur la victoire ou sur la défaite. Voilà, voilà mon avis. Bon, on va partir en partie normale, et on verra bien, en espérant qu'on va pas tomber sur des trolls. Je rappelle que je fais des lives sur ce jeu assez souvent maintenant, enfin assez souvent, j'en ai fait un hier soir déjà, pour commencer, mais je pense en faire assez souvent. Avec vous, je joue avec vous, c'est-à-dire que vous me rajoutez, je vous ajoute, etc. etc., etc. D'ailleurs vous pouvez retrouver en bas à droite de l'écran, normalement, mon battle tag. Préparez-vous à attaquer. Le sanctuaire, c'est quoi celui-là, d'accord. Je ne vais pas jouer tank, je vais jouer chacal. Je vais jouer chacal. Je ne vais pas jouer tank. M'avait dit de varier un peu mes personnages, je vais le faire. Ne vous inquiétez pas, comptez sur moi, chers amis.
Comptez sur moi. On a un deuxième tank, ce serait bien. Qu'est-ce qu'il joue, lui, le monsieur? Il aurait pu jouer un chopper. Ah, un bon chopper, Marc. Ah, ça pourrait être intéressant. Suivant ce qu'il va prendre, peut-être prendre chopper. Oula. Est-ce que les personnages pourraient bien apparaître? Ils sont en action. Hop. Je vais poser ça ici. Je vais vous montrer la petite astuce. Ceux qui ne connaissent pas forcément le double saut. 5, 4, 3, 2, 1. Le double saut, c'est pas simplement réussir à faire ça. Réussir à faire ça en fait. Respirez à fond. Mais bon, je l'ai mal fait parce que j'ai pas été. J'ai pas été au bord en fait. Ah, ça l'a pas tué. Je croyais pas que j'étais contre lui. Je mets pas sur mon arme. Ouais, c'est vraiment pour moi, c'est côté. Je me suis fait U bêtement. Ah, puis j'ai mon truc qui se déclenche. Très dommage. Bon, on va y aller un petit peu plus franco parce que ça sert à rien de glandouiller. Je te dédie cette bombe. Hop. Ça va pas toucher. Pose son piège. Ok. Celle-là tu vas l'aimer. Ok. Et prendre nos propres bombes. La sérénité s'offre à vous. Allons-y. On prend les mêmes et on recommence. Hop. On prend extrêmement cher, j'aurais dû faire une partie chauffe, c'est vraiment dommage. Hop. Ceci. Attention. Oh, je les ai pas eu. Je les ai pas eu. Quel dommage. Bon, tant pis. Tant pis. Bon, on va être meilleur sur la deuxième manche. Parce que voilà. Mais c'est vrai que je suis pas chaud. Habituellement, je fais une partie de chauffe de 10 minutes. C'est personnalisé. Sur le headshot. J'ai été vraiment mauvais. Il faut vraiment que j'améliore ça. Barbecue, quelqu'un? C'est l'heure du massacre. Bienvenue au En plus, sur celle-ci, il y a moyen de faire beaucoup de dégâts. 5, 4. C'est joli celui-là. 3, 2, 1. Deuxième manche. J'avais des trucs qui me bloquaient mon fil de souris. Ah, quel dommage!
Quel dommage. Excellente cette sur une diva sans méca. Arrêtez-moi si vous connaissez celle avec la mine et le cul de chat. Son cooldown est rapide. C'est vraiment dommage. Parfait. Ok. Baba au rhum qui s'est barré. Tu es parfait de mine. Je te dédie cette bombe. Ok, cette bombe que j'ai pas vu. Mais non, mais pourquoi je me fais focus à ce point? Ah, c'est chaud. Je me fais focus par ce Winston, c'est violent. Si ça n'explose pas du premier coup, doublez la charge. Je fais focus par ce Winston, c'est pas la peine. Attention. Soyez sages. Ceci va nous protéger. Je te détruis cette bombe. Voici mon pouette. Place au déluge de la justice. Heureusement qu'on a une ange qui fait le café. Merci ange. Score. Je suis pas bon. Je suis pas bon, je suis pas arrivé. C'est pas comme si c'était la troisième vidéo que je tournais. Mais bon. Ah, je vais me faire un kill apparemment en descendant. D'autres choses. Enfin. Arrêtez-moi si vous connaissez celle avec la mine et le cul de jatte. Alors, on va essayer de faire le double saut maintenant. Le problème c'est que je crois que sur cette map là il est chiant parce que du coup avec le... On va bien voir. Par contre s'il me fait pousser dans tous les sens ça va pas le faire. 3, 2, 1. Troisième manche. Ah je suis stupide. J'étais stupide, j'ai inversé. Oh là là, je suis stupide, je suis pas réveillé. Donc c'est bon, c'est... On est au courant de ce que c'est maintenant. Un bastion. Pas unique à toucher, c'est une violence. Parfait. L'objectif. Hop. Je m'empare de l'objectif. Hop. Personne qui vient. Je te dédie cette bombe. Le chasseur pose son piège. Sniper. Oh, qu'est-ce qu'il m'a envoyé une bombe? Ah, oh, puis je l'ai pas eu. Cette vexation. Ah oui, c'est une bombe, d'accord, j'ai pas compris ce que c'était. On prend les mêmes et je trouvais que la bombe était pratiquement inerte pour être lancée aussi loin. En fait. Parfait. Ah mais non. Ma capacité ultime est presque prête. Je te dédie cette bombe. Hop. J'ai hâte de voir ça. Dans ma ligne de mire. Personne ne bouge. Helden sterben nicht. Attention. Ça va péter. Capacité ultime prête.
Dites-moi si vous connaissez celle avec la vie et la jatte. Hop. Je suis nul. J'ai pas réussi à la faire péter à temps. Quelle horreur. Bon bah victoire. Action. Oh, c'est pas partie. Trop mal. Oh, un Winston. GG. On va en faire une autre. Parce que c'est là. Donc je vais faire un petit peu en gaffe avec le début. Hein. J'ai tellement qu'on volait donc. Hein. Bon, on n'est pas dedans. Hein. Je préfère encore mettre 6000 points de dégâts bloqués sur le Winston que... Hop. Voilà. Paf. Ça fait du bien par où ça passe, comme on dit. On a gagné 4000 d'XP. Bon, on n'en fait pas 4000 à chaque fois. Hein. On fait environ 2000 à chaque fois. Mais bon. En route vers Dorado. Alors, Dorado. Oh, c'est dur, Dorado. En défense ou en attaque? En attaque. Eh ben, c'est peut-être pas un si mauvais choix. Préparez-vous à attaquer. C'est peut-être pas un si mauvais choix. Allez. On n'a pas de heal qui s'est présenté pour l'instant, du coup je pense que je vais prendre plutôt... Ok. Donc il y aura qu'un seul tank en attaque. Pourquoi pas. J'espère que ce chacal fait le café parce que sinon... Bon. On verra bien. Ouais, j'ai une merde au niveau de ma souris. Le câble qui part pas comme il faut. De l'apocalypse, c'est moi. Salutations. Alors il y a des rumeurs comme quoi il y aurait un patch, une espèce de patch avec de l'ajout de contenu en rapport avec les JO. Concentrez-vous sur la tâche à venir. Franchement, si c'est le cas, je serais déçu. Autant vous le dire, je serais amèrement déçu. Avant, il va falloir que je change de téléphone. Le combat commence dans 30 secondes. Il commence à coller celui-là. Pourquoi la violence serait-elle la réponse à tous les problèmes? Ok. Merci mon chou. C'est sûr que... Enfin collé, à gripper. Bon, c'est pas grave. Il y a Azuna. Oh, il y a la véritable Azuna. 5, 4, 3, 2, 1. Hop, merci. Quand je me vide comme ça, je gagne des points. Sébastien qui m'aura fait le café. Et au moins j'ai eu le...
une grosse cible pour le moment. Barde. Alors je trouve qu'il est complètement buggé. Il est complètement buggé au niveau du son, ce chopper, en fait tu l'entends pas parler. Hop. Ah, ce bastion, non. Ah, je l'avais pas vu, j'y ai complètement zappé ce bastion. Normalement, il faudrait que Anzo, une tresseur, Ah, j'ai perdu mon ulti bêtement. On a Anzo, tresseur et Genji qui ne va s'occuper du bastion par quasi instant. Le bastion devrait même être dégoûté de venir jouer. C'est vraiment dommage. Tous avec moi. Ah non, c'est un peu tard, j'ai plus de ulti. Hop. Voilà. Hop. C'est ce bastion. Je brûle de la gomme. Oh, merci. Ah mais... Oh la vache, elle est précise cette Azuna. J'arrive pas à le caler mon ulti, c'est chaud. Vous l'avez vu mort, vous le... J'ai pas fait gaffe que Reinhardt était mort en fait. Ça me choque. Les héros. Ça serait peut-être bien qu'on joue le point en fait. Il faut avoir une quelqu'un pour déloger cette fatale. Mais ce heal qui a pas fait le café. Dalamar, quoi? Eh non, attends, mais Dalamar, je fais plus de heal que toi. C'est pas possible. J'ai la médaille d'or en heal. Dalamar ne heal pas. N'échappe à ton regard, mais... C'est bien de voir. Oh, aidez-moi à faire bouger ce machin. On va voir. Ah non, elle est pas là. Si. Faites avancer le convoi. Me sniper avec ça à des kilomètres. Par contre, non, c'est vraiment triste que l'ange a son rêve. Les héros,
Personne ne bouge. Dans ma ligne de mire. Ok. Ambiance. J'adore le verre. Mais Dalamar qui heal pas. C'est chaud. Je fais plus de heal que Dalamar. Ne meurt jamais. L'équipe elle a pas changé depuis le début de la game. Le dragon vous consume. On a Hanzo qui a réussi à participer que deux ultis. Qui n'ont pas juste fait des dégâts. Oh mais non mais... Dans ma lune. Et... Ah. Oh. Oh, c'est dégoûtant, il me l'a... D'accord, je savais pas. Pourquoi pas, bah c'est un échec. Bah écoutez, pourquoi pas. C'est triste qu'on ait la médaille d'or en huile, je sais pas ce que vous en pensez. Temps additionnel. C'est atrocement triste. Et ils sont tous morts sur le point. Et je suis repop à... Alors il a pété le mur du son pour lui seulement. Ah non c'était que non c'était en face. Oui on avait un heal qui n'est pas. Effectivement, je me souviens maintenant. Précision de traclar, je l'ai pas vu. 68%, pas mal. Action de la partie. Ouais, Azuna, bravo. Bon, en plus, moi, je suis fan de Sword Art Online. Personne ne bouge. On va avoir du ça. Elle est balèze. Je disais qu'elle était balèze, mais... Enfin, pas... Allez, coup de crosse, là. Oh, mais non. Voilà, bah moi. Bande de vendus. Bon. Eh bien écoutez chers amis, du coup on va se laisser là pour cet épisode, merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, votre lien à la barre de la chaîne. Quant à moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour d'autres aventures, salut les gens, et yoooop.